Oh, salut tout le monde! Bon, aujourd'hui, bricolage. On va tout changer le système électrique. Parce que là, on n'a pas assez. Bon, je pense qu'on est des gros consommateurs d'électrique, mais on a beaucoup de choses électriques, comme le frigo, on a la Starlink. Donc là, on va changer toute la config du coffre là, qui est de la banquette. Bon, ça va nous supprimer encore un coffre. Mais on va mettre les batteries dedans et on va tout faire le système électrique là-dedans normalement. On va voir si ça passe. Bon, puis je vais vous montrer ce qu'on a à mettre. Salut, nous, c'est Tof et Nadia. Un jour, on a décidé de tout quitter pour découvrir l'Europe. À bord de Charlie, notre Hummer B544 de 89. Nous avons embarqué avec nous notre chat Cacahuète dans cette folle aventure. Nous écrivons désormais l'histoire de nos rêves. Alors, pour ne rien manquer, abonnez-vous, activez la petite cloche, un petit commentaire et bonne vidéo. Donc voilà ce que j'ai à installer. Donc un petit peu de boulot. Bon, ben, je vous montre ça. Puis j'ai peut-être Nadia qui va filmer, je sais pas. Je vais peut-être pas y arriver tout seul. Bon, là, on va commencer par démonter le coffre et enlever tout ce qu'il y a dedans. Que je vais mettre tout ça encore. Bon, voyons voir si les côtes que j'avais prises elles sont bonnes. Est-ce que ça va passer? Pas 51. Bon, alors j'ai vérifié, tout passe ici. Donc là, on va déjà tout débrancher pour changer tous les câbles. Donc nous voilà dans le cœur de la bête. D'accord, tout que je débranche, que j'isole les câbles pour pas que ça se touche. Changer tout ça. Bon, allez, on y va. Bon, une fois que j'avais fait ça bien, j'ai tout attaché les fils. Tout que j'enlève.
J'ai terminé mon installation, bah, ça marche tout là, ça charge l'alternateur, panneau solaire et 220. Là, on entend, c'est en train de charger là. Bon, faut pas regarder le câble management. Hein. Et ouais, je suis pas fan de ça. Hein. Mais bon, ça marche. Parfait, on n'aura plus qu'à voir si ce coup-là, on aura assez. Bon allez, à plus tard.